Et hop là, je continue mon jeu tranquille. Ouais, Conan Exil, ouais. Sur un serveur PVE. Hein. J'ai pris un serveur PVE là, tranquille, et puis voilà. Franchement, comparé à la dernière fois où j'ai joué à Conan Exil sur PC, je trouve qu'il y a eu énormément d'améliorations. Et la prise en main manette est beaucoup mieux par rapport à l'époque. Dieu vous accompagne. Ah oui, je voulais faire un peu de vol ici. Oui, vas-y, vas-y, t'inquiète. En plus, je fais des cauchemars, quoi. Merde. Veut dire.
garçon. Tiens, merde. Alors c'était vous. J'ai des témoins qui vous ont vu déclencher une bagarre. Vous n'allez pas l'oublier de sitôt parce que vous allez avoir besoin d'une montagne d'argent pour réparer vos erreurs. Bon sang, prenez vos pièces. Parfait, mais que je ne vous y reprenne pas.
Vraiment, j'assure. Salut la poussie. Ouais, je suis en hard là, ouais. Ça veut dire qu'il est en train de me suivre jusque-là, non? Non, c'est pas si tu meurs, c'est définitif. C'est en fait. Si tu regardes bien au niveau de la carte là. On sait pas où je suis. Tu peux chercher. Je sais pas où je suis. Au niveau des indications, j'ai pas nord, est, ouest, sud. Après, j'ai mes stats qui sont baissés aussi dans le jeu, donc voilà. Et puis plein d'autres défauts aussi que je peux avoir, regarde, tant que je te montre. Alors, personnage, statistique, j'ai C3. J'ai C3 malus. Donc mes stats diminuent. Baisse d'acquisition et somnambule. Sur la carte Snap. Sur la carte Snap, ouais, peut-être. Si tu as vu que j'allais streamer, oui. Le tueur, j'ai pas mis le vocal en streaming, donc t'inquiète pas. PSN. Si tu m'entends parler, je parle sur mon stream, mais j'ai pas mis le vocal du chat. De nous deux là. Donc t'inquiète pas. Ah non, mais en fait je suis en stream sur Twitch, donc c'est pour ça sur un jeu. Mais voilà, si tu m'entends parler, c'est pas forcément. Ils t'entendront pas toi en fait. Non, parce que voilà, je fais pas ça sans accord des gens ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, mais moi j'ai combien là? Alors en mode hardcore quand même, là j'ai quand même un petit pactole comme.
J'ai combien de pognon sur le jeu là? Petit. Disons que je fais attention, je suis à 3,6K. Mais je fais attention à ne pas trop avancer trop vite. Là, ce que je vais être, ça va être bailli. Et après, je vais avec la difficulté du jeu très élevée, quoi. Normalement, là, on n'est pas censé. Ben, normal, j'ai déjà 300K, donc à un moment donné, la ville, je te l'ai fait en 5 heures, la ville que tu peux avoir. C'est pas du tout. C'est pas super génial, quoi. Non, 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 j'ai vraiment pas fini l'histoire. J'ai juste. Sur le jeu là, en mode normal, je me suis arrêté à l'épisode 40 et j'ai pas fait tout le jeu, non. Donc là, je suis où? Personne qui dort ici. Aussi là. Le village, c'est sur une des vidéos qui dure 5 heures, qui est déjà sortie. Je crois que c'est l'épisode 34 ou 35 par là. C'est Pribis Lavis. Le village, il se trouve. Ah oui, d'accord, ok. Si on regarde la carte, le village. Talberg, Ulzis, il se trouve là. Ici, après avoir viré. Après avoir fait une quête principale ici pour virer les bandits, tu peux après avoir la gestion du village du début à la fin en fait. Alors, et moi je suis où? Moi, je suis actuellement ici à Loshenko. Je fais la quête ici, là. Mais là, j'essaie de gagner des points en furtivité. Alors, j'essaie d'assommer un peu tout le monde. Je vais retourner dans mon lit. Ouais, c'est bon, j'ai gagné mon point que je voulais. Je peux prendre la toux pour la suite des quêtes. Allez, on ferme sa porte tranquille. Ni vu ni connu dans le jeu. Comme si on dormait jusqu'à 8 heures tranquillement.
Oh là là, insomnie. Je me trouve où maintenant? Alors, le plus dur, c'est de se repérer après avoir dormi comme un gros. Alors déjà, je me trouve dans un endroit cool. Allez, on va crocheter ça. Là, je suis sur PS5 du coup. Tu vois, le souci dans le jeu, c'est ça, c'est que je me réveille avec insomnie à un endroit et il faut que je me repère où je me trouve. Que je repère où je me trouve surtout. Alors. Ah, mais ça va, je suis allé chez Nico. Je suis réveillé par là, d'accord, ok. Je suis toujours à l'échelle co, ça va. Je suis pas très très loin de là où j'étais. Coco me fouille, toi tu es dans le cheval, toi tu es dans le cheval. Ah, ça c'est quand je me suis bagarré avec le garde tout à l'heure. Alors, je l'ai découvert au début du. Dès qu'il est sorti. Mais là je l'ai repris sur Play 5 là, depuis 2 mois à peu près. Début de l'été. Et j'ai envie de dire. Et je préfère y jouer là en mode hardcore. Concrètement. Que se passe-t-il par ici? Et merci, pas grand-chose. Alors, parlons ferme. J'aurais besoin de manger. Alimentation 15. Et voilà ça. Durabilité 5 jours. Qu'est-ce que je peux te vendre? J'aimerais discuter du prix. Bien. Satisfait? Ça commence à être. Enfin. Allez, nourriture. Tac, 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 tac. Voilà. C'est lui que j'ai pas pu, ouais. C'est lui que j'ai pas pu assommer. Que pouvez-vous me dire? Il est aussi grognon qu'un. Pourquoi appelle-t-on il? Parce qu'il est tanneur, certes. Disons que. On l'a vu fréquenter l'une. Il s'est mis.
ramasser l'argent également. Ah, je vais voir son père du coup. C'est bon, j'ai une taille. Oh, le bailli. Alors, acolyte, le pourpoint robuste, oui, c'est considéré comme vous voulez. On va y reparler. Je vous souhaite. Vous ne savez vraiment pas où pourrait se trouver son repère. J'en ai aucune idée. Je pouvais seulement deviner quand il en revenait, c'est tout. Comment ça? Parce qu'à chaque fois, il revenait avec des pots à tanner et de l'argent. Il se faisait de l'argent en revendant son bouton. Je suppose. Il laissait jamais quoi que ce soit ici. Vous savez à qui il le revendait? Non. Mais l'aubergiste est venu plusieurs fois lui donner de l'argent. Après, c'était peut-être pour du gibier. D'accord. J'irai demander à l'auberge. Que savez-vous d'autre? Rien. Je sais qu'il ne vous en... Combien de temps était-il parti? Eh ben, il allait et venait à toute heure. Je sais vraiment pas. Peut-être une chose. Il revenait égratigné. Alors il traversait probablement une forêt très dense. J'imagine. Vas-y. Et s'il est vraiment... Allez. On va aller voir le tavernier. J'ai des questions. Demandez à quelqu'un d'autre. C'est capable de faire fuir mes... Vraiment? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Il paraît que vous faites des affaires ensemble. Qui êtes-vous au juste? Un ami de Inek. Il a disparu depuis peu et je suis à sa recherche. Je sais pas où il est. Mais si vous le trouvez, dites-lui qu'il me doit de la marchandise. Alors... Je me contrefous de vos affaires avec le fléau. Je ne dirai rien à personne. Je veux simplement savoir où il est. C'est urgent. Qu'est-ce que nos affaires ont à voir avec l'endroit où il a disparu? Le fléau se cache probablement dans son repère à braconnage. Ça n'a pas été bien difficile de savoir qui achetait sa marchandise. Et ce sera encore plus simple d'aller au château pour tout raconter. Le braconnage est un crime, après tout. J'aime pas tellement être menacé. Pour la dernière fois, je sais pas où il se trouve. À propos de ce que le fléau vous doit. Donc quoi? Eh bien, je pourrais régler sa dette et vous arrêter d'esquiver mes questions et me révéler enfin ce que je veux savoir. J'imagine qu'on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il vous doit? Avant qu'il disparaisse, il avait payé d'avance pour 5 lièvres. Une bière? D'accord, je vous les apporte. Et en échange, vous me fournissez vos informations. Marché conclu. Dialogue en toute discrétion au milieu de ça, au milieu de tout le monde. Hein, on a fait une petite transaction de lièvre quoi. Ah mais j'ai pas de flèche, j'ai pas d'arc. Ah bah.
Parce que lui, il vendra des arcs du coup. Putain, je voudrais me taper un arc en forgeron quoi. Jésus soit... Ça vend des flèches, mais ça vend pas d'arc. Tu joues à quoi le tueur? Ouais, mais c'est ça mon souci. C'est pour ça que des fois PO ça me saoule. Je joue un autre jeu. Pour ça je stream en fait. Je stream un peu comme ça me permet de rester et de finir le jeu en fait. Ah d'accord. Y a-t-il un an? J'imagine que je... Jusqu'à quand? Pour une seule nuit. Pas de problème. Voilà. Vous allez vous plaire. Alors, où est-ce que je peux trouver un lapin?
Trop. Ok, je vais être par là alors. On va continuer un peu plus dans cette forêt. Et je trouve pas beaucoup de lapins. J'ai perdu de vue mon lapin. Zut. Il y a le chemin. Oh.
Un lapin là-bas. Par là, là. Vous en foutez du bordel, vous êtes que trois dans la maison, vous foutez une bandelle de mammouth, quoi. Mon dieu. Le rendez-vous de la salle de bain, c'est en bas, pas en haut, c'est ça? T'as dit quoi? Si le rendez-vous de la salle de bain, c'est en bas, pas en haut. Oh, un lièvre. Oh, je sais pas si je saute dessus. Oh non, papa, 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 papa. Oh là, je vais le rater là. Il est trop loin. Voilà, je vois Henri. Bon, allez, montez dans la barre, dépêchez-vous devant la glace. J'ai besoin de lapin pour ma maquette. Non. Oh, il m'a vu. Il est coupé vite d'un coup, t'as vu? Ouais, j'ai plus bougé, regarde. Hop, il va revenir vers moi. Non, pourquoi t'es parti? Oh, satané, bouge pas. J'ai besoin de ta peau. Oh. Attends, là c'est pas un pixel de sa tête, quoi. J'ai pas les flèches illimitées en plus. Tu fais quoi, Clara, là? Pourquoi tu le montes là-haut, ça? Parce que sinon, j'allais pas en haut. En bas, il y en a plus, du coup. Oui, je sais, mais je vais le rentrer. Je vérifie. Allez, dans la lumière. Oh, ça l'a pris, il va me... Oh, presque. Devant la lumière. Oh, je saute. Moi, je suis à la brosse à dents. Et là, là. Mais non, c'est ta manière. T'as dit de reprendre la brosse à dents. Parce que t'as pas besoin de brosser les dents. Arrête de répondre, Logan. Je les brosse bien. Ah, plus de flèche. Ah, plus de flèche sur moi, super. Waouh. Fais chier.
Est-ce que je pourrais les choper eux? Tu te le poses bien. Tu montres comment tu le fais. Très bien. Mais respire, hein. C'est allô. Mais il doit se respirer. Il ne faut pas qu'il respire comme mal. Mais il ne faut pas qu'il. Il fait chaud ici. Ah bon? Par rapport au papa? C'est toi qui es chaude, ouais. Je crois que si je me colle à toi, je vais avoir chaud, moi. Je suis trop chaud là. T'es habitué, hein?
un peu toi parce que j'ai pas envie de poser mon canapé. Ah ouais, c'est toi. Comment tu vas aller? Tu vas me dire au revoir parce que tu viendras pas. Si, tu vas bien. Non. Moi, je dis que tu vas te faire un peu. Ouais, bonne nuit. Ouh, oui, de rêve. Allez, file là. Viens. Des filles, là. Viens. Non, je ne vais pas dire. Arrête de vouloir mettre du bon malheur pour rien. Maman, tu vois, tu fais chaud ici, non? Non, je trouve qu'il fait plus froid en haut qu'en bas. Tu fais quoi, là, Clara? Bon, je sais où j'en ai tué, hein. Je pourrais récupérer ce cadavre plus tard. Ici, au niveau de la ville, ils n'ont rien dit. Hein. Alors, attends, il est quelle heure là dans le jeu? 14h, et j'ai plus de flèches. Je vais acheter des flèches quand même un peu. Vu comment je suis mauvais à l'art, je vais pas jouer au jeu du route. Hein. Je sais même pas si ce jeu est gagnable dans le. Peut-être quand t'as un bon truc. Forgeon. Flèche de chasse. On en prend 20. Un retour, hop. Ouais. On va essayer de marchander un peu quand même. Et si on parlait un peu du temps ? Je veux 25 et j'espère avoir. Ouais, 26, on va essayer d'avoir 28. Cette année. Ouais. Yes. Tout à l'heure, j'ai gagné un point en vitalité. Ouais. Alors, on colle. Boire du bon vin, ça restaure de l'énergie et de la vie. Ah, j'en ai pas chez. Oh. On continue. On va essayer de trouver du lapin, mais là. Le campement là-bas, je vais essayer de les choper. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de d'en tuer un autre en furtivité. Et tuer le prochain au combat. Oh, il se promène tout seul.
Le bandit. Je peux pas le tuer. Je vais t'écraser comme un insecte. Ouh, je saigne, ça c'est pas bon ça. Ouais, je vais clamser du saignement. Ah là là. Voilà, je suis mort pour rien. Ah voilà, faire l'idiot. Amour. Tu peux me faire un autre café? Je vois mes habitudes. Parce qu'au niveau de la nuit. On va rejoindre le cheval. On ira après pour la chasse au pire. Qu'est-ce que c'est bon, une vie de brigandage? Oh, zut alors. Ça va pas le faire. Je perds trop de temps. Allez, tuer. On reviendra plus tard. D'une manière un peu plus précise. Je pensais pas qu'on pouvait me contrer comme ça aussi au niveau du meurtre. C'est parce que j'ai moins de force ou pas. J'ai du coup de flash. Je retourne chercher.
On va reprendre le point d'alcool qui est... Attends, je voulais parler, c'est à lui. Portez-vous bien. Alors. Augmentation. Ah, c'est le spirituel qui augmente l'énergie, je pensais que c'était lui. Bon, ah, du bon vin augmente l'énergie de la vie. Glace. C'est ça. En plus aujourd'hui j'ai bossé 10 heures aujourd'hui en heure sup là. Il y avait les portes ouvertes de mon entreprise là et j'ai bossé. Du coup, je mérite un peu de réconfort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas assez. Marché conclu? Bon. Je vais les laisser faire ça. Très bien, j'accepte. Que Jésus soit sanctifié. Allez. On va essayer par là de trouver du lapin. Non, il fait de pâte moi là. Faut pas que ça soit trop gâté. Hein.
Ah, du coup, on saute, ça. Quand tu es trop qu'on saute, c'est énorme. Oh, merci, mon amour. Tu as été touché, du coup? Ah, je me lève. Mais pourquoi? Parce que t'as chaud ou parce que ouais, tu... Ouais. Eh, c'est une douche d'eau froide quand on a chaud, hein. C'est pas une douche d'eau chaude. Hein. Oh ouais, c'est pas Happy nous. Où es-tu que je te tue? Moi, je cherche des lapins dans une forêt. Et tout se fait au visuel, tu vois, alors c'est pas mieux. Hein. Faut voir s'il y a des lapins qui bougent. Quoi. Ah, mon café. Je rapproche la table basse. Elle est crème de douche. Moi, j'essaierai cette crème-là. J'ai cru que c'était un lapin, c'est un paysan qui se promène quoi. Il a failli prendre une flèche dans le cul, le mec. Tiens, pour la peine, je vais lui voler sous ses poches. Tu m'as fait du faux espoir. Voilà, je t'ai volé ton argent. Oh, j'ai eu les boules là, je pense avoir trouvé un lapin. Ah, lapin. Yes, je l'ai eu. Combien aujourd'hui? Oh, il manque un lapin encore. Oh, de la varienne. Oh, c'est ce qui me manquait. Je ne vois rien. Ah, mais il y a un coffre.
Non, moi ça va me laver. La pilapinou. Il me faut plus qu'un lapin seul. Heureusement que j'étais pas chasseur dans les années 1400. J'aurais été un très mauvais chasseur, ma parole. Après une journée, tu chopes 3 lapins, c'est bien, pas mal. C'est qu'il était trop chaud, maman. Ça attire les moustiques. C'est quel type de jeu que tu joues? Ah, tu reviens sur PO, d'accord.
Ah, mais ça sert à rien d'aller dans les buissons. Oh, zut. Oh, d'accord. Tu peux dormir ici? Ah, ouvrir. Le jeu il va avoir 3 heures de stream, 3 heures de stream, je cherche, je chasse des lapins. Le titre sur je crois que c'est Pâques, je cherche des lapins. Ils sont où les œufs de Pâques? C'est sûr. Alors, je vois des cerfs passer, mais je vois même pas de lapin, quoi. Je vois des cerfs, des biches, mais... Ah non, le marchand hein, est pour me vendre mais les infos que je veux, il veut du lapin. Alors, je sais que je suis mauvais à l'arc, en plus, si je dois chasser la biche, ça aurait été pire. On va arrêter le cache-pied des flèches pour lui, il me reste comme une flèche. Bon ça il me reste 12 flèches. Un lapin par là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, lapin! Ah, c'est un jeu de survie, ça, ouais. Là, moi, c'est. Je crois que tu. Je sais pas si tu connais, c'est Kingdom Come Deliverance. C'est un jeu sur... Non, c'est un jeu... Non, sur PS4, c'est Warriors Studio, c'est un jeu qui relate la vie du côté de Tchécoslovaquie, la vie là-bas, là, chez les Tchèques là-bas, à partir des années 1300-1400, juste après l'effondrement de l'Empire romain ou un truc comme ça. Et en fait, là, moi, je joue un fils de forgeron. Il s'appelle Henri. Et en fait, après, il y a une guerre d'indépendance. Voilà, il y a deux clans qui s'opposent. Et en fait, tu joues un réel chevalier, quoi. Après, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne et j'ai même fait... et je fais du live dessus, donc... Alors, c'est bon.
toute la viande de lapin pour le... pour ce soi-disant escroc de tavernier. Avec plaisir. Merci. Toujours quoi? Hein? Je joue à Henri, mon amour. Henri, le futur PG de ce monde. Qui ça? Henri, le futur beau gosse de ce monde. Hein? Là où il passe, les femmes trépassent. J'ai mal. Ah, il est où l'aubergiste? Ça va s'arranger. Merde. Je me suis fait piquer là. Le Seigneur soit loué. Je vous ai obtenu le gibier. Formidable. Quelques clients qui m'en avaient réclamé. Allez. Ça m'a l'air pas mal. Alors, hein? je vais bientôt venir, pense. Il paraît que Inek a un repère dans les bois qu'il utilise pour la chasse. Vous savez où il est? Pas exactement. En fait, je sais pas du tout où il est. Mais je sais que c'est un endroit sombre. Une grotte, une vieille galerie. Comment le savez-vous? À chaque fois que le flaireau partait braconner, il passait me prendre des bougies, une huile de lampe. De plus, il rapportait son gibier vidé et dépecé. Et il a besoin de lumière pour ça. Quelle quantité de gibier vous ramenait-il? Pas beaucoup, quelques pièces. La demande n'est pas très forte par ici. Parfois des bourgeois en demandent. Sinon, ça finit en saucisse. Vous savez s'il y a une galerie de mine dans le coin? On a quelques-unes aux alentours. Il y en a une de l'autre côté de la berge, pas très loin du sentier qui mène à la forge vers l'ouest. Il y a aussi une galerie à l'est du village, dans les bois qui surplombent la falaise. Et on m'a dit qu'il y avait une galerie sur la butte, tout près de l'eau. Merci. Avec plaisir. Et n'allez pas vous briser la nuque, le sol est escarpé. Vous pourriez facilement trébucher dans un puits. Alimentation 18. Les trois lieux sont considérés avec des bois bien. Alors je vais descendre ici. Forgeron, monter là. Et arriver à ce campement. Là, je vais descendre vers là.
forgeron. J'ai la route. Il y a la route, je pense. Ça, voilà. Je vais être par là. Dès que je vois ça, j'essaie de rentrer dans le four. Ouais. Ah, ça va être la montée là en fait. Ça va être ça la montée là. Après, il faut que j'aille sur la gauche. Je dois faire surtout attention. Peut-être qu'au combat, je peux engager. Alors. Un truc là-bas. Non. J'ai découvert un croc, je l'ai pas trouvé. Descendu là. Chemin par là. Je me foirais dans mon chemin. Ah mais je suis bête, il y a une rivière après. Cherchons la rivière. Elle est en face. Là, je crois qu'il ne faut pas la traverser comme ça. En gros, il y a des cailloux. Aïe.
Ah, on est là-bas. Oh, allez. Passé ici, j'ai traversé ici. Il faudrait que j'arrive, je monte comme ça en diagonale. Alors, pour monter comme ça en diagonale, alors, je vais mettre pile poil, je vais descendre. Diagonale, c'est là, comme ça. Bon, je fais un pari risqué là. Ah, pas mal tout ça. C'est une unique. Ah oui, après en standard, c'est le standard après. Chercher l'autre, donc l'autre, j'ai juste à cette maison, je remonte la rivière et là bon je tourne vers là. Donc on s'aime bien. Là je suis parti ici. Il faut que je traverse jusqu'à la prochaine.
suis là, exactement là où je voulais. Faut que je remonte tout ça. Jusqu'à l'intersection là-haut. Donc quoi, dans l'Atlas? Pourquoi tu fais divination et coffre-fort? D'accord. Là, je suis ici et il faut que je tourne du coup. Là, je suis en train de monter ici et là. Mais soit Henri là. Ah ah, j'ai trouvé. Matériel d'étalage. Cinématique. J'attends un conseil avisé de ta part. Au moins, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu as besoin de parler ? Merde ! Non, ne me tue pas, je peux tout t'expliquer. Je ne dirai rien à personne, promis. Je n'ai personne à qui le dire. Pitié, ne me tue pas. Je n'ai pas prévu de te tuer. Tu ne bosses pas pour le Hingre ? Non. Oh, qui es-tu alors ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que nous avons un ennemi commun. Vu le nombre d'ennemis que j'ai, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je veux parler de la bande qui a attaqué le Hara de Nairoff. Ah. Je sais que tu y étais. J'y étais, c'est vrai. Mais je n'ai rien à voir avec ces fumiers. Je veux bien te croire, à condition que tu me dises tout ce que tu sais. J'ignore pourquoi ça t'intéresse. Et si ça peut me sauver la peau, je cracherai le morceau. L'assaut de Nairoff ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu, n'est-ce pas ? Tout dépend de quel plan tu parles. Nous, on voulait juste dérober quelques affaires et t'étaler. Mais les brutes du Hingre voulaient faire couler le sang. Comment ça, les brutes du Hingre ? Il y avait deux groupes, le mien et celui du Hingre.
Nous, on était juste venus piller, mais eux, ils voulaient tuer tout le monde. Mais quand vous avez réalisé ce qu'ils voulaient, vous n'étiez pas obligé de les suivre aussi. Mais on ne savait rien, même pas qu'on allait à Neuhof. Ils nous ont demandé de surveiller la cour pendant qu'ils égorgeaient les chevaux. Bon Dieu, ça m'a foutu en rogne. Les chevaux étaient ce qu'ils avaient de plus précieux. Quand j'ai dit ce que j'en pensais, le Ingre m'a engueulé sec. Alors, j'ai préféré me taire. Et quand ils ont annoncé qu'on allait tuer tout ce qui bougeait, j'ai compris qu'il était déjà trop tard. Ta bande, qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? Qu'est-ce que tu veux savoir? On est quatre. Moi, Timmy, Louboche le boiteux et puis Pavel. Parfois, on cambriolait une maison ou on détroussait des pèlerins. Rien d'extraordinaire. Je suis sûr que vous avez commis plus d'un effet. Qui était le chef? Pi, c'est le plus âgé. Et c'est lui qui nous trouvait du boulot et organisait tout. C'est lui qui nous a entraînés dans le plan foireux de Neuhof. Et les autres? Timmy est aussi fort qu'un bœuf, mais c'est loin d'être un génie. Il est aussi intelligent qu'un piquet. Le boiteux, je le connais depuis longtemps. Je dirais que c'est mon seul ami. Qui a rassemblé vos deux groupes? Vous avez bien dû prendre contact à un moment, non? C'est Pi. Il est venu nous dire qu'il avait décoté le boulot parfait. On va voler une ferme. C'était un gros coup. Parce qu'on ne faisait que des petits trucs, comme détrousser des gens sur la route. Rien de grandiose. Quand ils nous ont dit combien on pouvait se faire, on n'a pas pu refuser. Alors Pi les connaissait? J'imagine. Mais je sais pas comment. On a même été payé d'avance. J'aurais dû me douter que c'était trop bon pour être vrai. Où est parti le reste du groupe? T'as vu le boiteux, non? Oui, mais il m'est inutile désormais. Dis-moi où je peux trouver Pi ou Timmy. Je ne sais pas où est Pi. Il a disparu dans les bois et je ne l'ai pas revu depuis. Je crois que Timmy est retourné au moulin où il travaillait. Quel moulin? Le moulin avant, un peu plus au nord de Neuhof. Tu connaissais les hommes du Ingre? Aucun. Ils ne nous ont même pas adressé la parole et aucun de leurs visages ne m'était familier. Tout ce que je sais, c'est qu'ils appelaient leur énorme chef le Ingre. Pi nous avait dit de nous méfier de lui. Je suppose que tu ne sais pas où ils sont allés après l'assaut. Sur la route de Neuhof, Timmy m'a dit que Pi et lui étaient déjà allés à leur campement. J'imagine qu'ils sont là-bas. Est-ce que Timmy t'a dit où était le campement? Quelque part dans les bois. Il m'a rien dit de plus. Le truc, c'est que Timmy a beaucoup d'imagination. Mais Pi l'a engueulé pour qu'il la ferme. Alors il doit y avoir du vrai là-dedans. C'est tout ce que je voulais savoir. Que vais-je faire de toi maintenant? Hé, par ici! En haut de la colline. Chut. Chef, on a trouvé la grotte. Ferme là, il va t'entendre. Oh merde! Les hommes du Ingre. Il faut qu'on sorte d'ici. Ils sont trop près. On ne pourra jamais les semer. Au moins, ils ne savent pas que je suis là. À deux, on peut les prendre par surprise. Non, impossible. Je me tire. Écoute. Si tu fuis, ils te rattraperont, ils te tueront. Et moi avec. On a plus de chance si on reste ensemble. Oh, putain de merde. Très bien. Tu dois avoir raison. Sont exaucés. Je voulais passer mes nerfs sur toi. Viens par ici. Je vais te massacrer. Tu vas te mettre à pleurer?
Fait que... Et ça n'a pas enregistré, j'imagine. Deux nuits, quoi. Oh. Oh non. Donc concrètement, c'est deux abrutis que j'ai vus là-bas. Trois abrutis, je vais les tuer. Donc là, je suis ici. Faut que je revienne ici. Je vais descendre de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Ouais, j'ai vu. Ouais, ce qui paraît. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Que le truc de craft, ils avaient tout cassé, quoi. Et que ça avait dégoûté pas mal de joueurs, quand même. Pardon, que c'est un golem alors ? Ah oui, le golem qui permet de. Le marteau qui permet d'invoquer le golem de roche en plus, c'est ça, un truc comme ça ? La double corruption ? Les gemmes. Je comprends. C'est ça. Ouais.
Ah, c'est clair. Ça t'avait manqué, hein. Avec le quoi? Ah oui, mais oui, le rétrousseur, oui, c'est sûr. Ouais, j'arrive, je vais finir ça là, j'arrive. 3 minutes. Parce que je vais rush les dialogues, parce que je suis mort juste avant. J'esquive un gros combat là en plus.
J'imagine. Et Tamorf aussi, c'est devenu nage, je trouve. Je sais pas si... C'est parti, on va sauter les dialogues. Peu importe, vu le nom, je veux parler de là. Ah, je sais que tu y étais. J'y étais, c'est... Je veux bien te croire. J'ignore pourquoi. L'assaut de Neu. Tout dépend de quel. Comment ça, les brutes? Il y avait deux groupes. Mais quand vous avez réagi. Mais on ne savait rien. Ils nous ont demandé. Quand j'ai dit ce que. Ta bande. Qu'est-ce que tu. Je suis sûr que. Pi, c'est le... Et les autres? Timmy. Qui a rassemblé? Alors, Pi, les autres, j'imagine. Où est parti le... T'as vu le boîte? Oui. Je ne sais pas où... Quel moulin? Le moulin avant. Tu connais... Aucun. Je suppose que... Sur la route de Neu. Est-ce que Timmy... Quelque... Qui est ce ingre? Je ne l'avais jamais vu. Est-ce que tu as vu à quoi? Non, c'était juste. Je crois avoir eu une fois le triste honneur. Tu vas m'accompagner. Le seigneur Radzik et le seigneur Anouche voudront entendre ce que tu as à dire. J'imagine qu'il n'y a aucune chance que tu fermes les yeux sur tout ça. Pourquoi le ferais-je? J'ai rien fait de mal et je t'ai tout raconté. Tu pourrais très bien... tout leur dire toi-même et me laisser là. Et dans quelques semaines, je plie bagage et je t'éguerpille. Il serait préférable que tu disparaisses. Tu ne m'es plus d'aucune utilité à présent. Merci. Merci mille fois. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Contente-toi de mener une vie honnête. Je ferai de mon mieux. Promis. Ouais. Allez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et maintenant, comme ça, on est bien. Peut-être moi, je peux. J'ai pas dû dormir, j'aurais dû voir de toute façon. Allez, bonne journée. À plus, ciao. Oh, deux ans, deux ans.